Deux ambiances, que l'on soit dans un café pro Mbappé ou dans un café pro Messi. On vous retrouve en direct, Sarah De Franck, avec Roanne Chen. Bonsoir, quelle est l'ambiance ce soir à Bastia autour de cette Coupe du Monde ? Bonsoir, eh bien, jusqu'à il y a à peine quelques minutes, il y avait énormément de monde derrière moi. En fait, depuis 16h, les terrasses et les cafés du centre-ville étaient vraiment pleins à craquer. Et surtout, l'ambiance est montée tout au long de la journée, durant ces 3h. On sentait vraiment que le suspense était interminable pour les supporters. Et ici, il y avait des cris à chaque action de joie ou de déception en fonction des deux camps. Donc là, l'Argentine, les Argentins se sont levés et ont vraiment sabré le champagne comme à Ajaccio. Et ceux qui étaient plutôt pro-français ont quitté, probablement déçus. Mais on a vu des foules de supporters très heureux s'en aller, sûrement faire la fête.